on a tous en tête un argument qui a sa part de conviction, de dire on vit plus vieux, il faut donc travailler plus longtemps. Argument qu'on entend tous les jours dans la bouche des ministres, par exemple. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que cet argument, il avait déjà servi et plus que servi. C'est-à-dire que, d'abord, les réformes précédentes, parce qu'on disait, vous parliez de se projeter. En fait, les réformes précédentes, elles sont même pas finies. C'est-à-dire que la durée de cotisation, elle est programmée pour aller jusqu'à 43 ans pour les gens nés en 1973 ou 74. C'est-à-dire que la dernière réforme, celle de Marisol Touraine, elle est même pas encore finie. Et le passage de 60 à 62 ans est très récent en réalité. Et donc ça, on l'a pas encore absorbé, le marché du travail l'a pas absorbé. Et ces réformes, les réformes précédentes, elles ont été plus vite que les gains d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'effectivement, l'espérance de vie augmente de moins en moins vite, mais elle continue à augmenter. Simplement, les réformes précédentes ont demandé plus d'efforts que les gains d'espérance de vie.